Bonsoir à toutes et à tous, c'est Riveless, bienvenue pour un nouveau live, j'allais dire une nouvelle vidéo, oui, si c'est une rediff pour vous, c'est effectivement, j'arrive pas à parler avec le son dans les oreilles. Donc bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, ceci c'est à vous, salut Chama, salut Matt, et salut Milo, bienvenue, bonsoir, alors voilà, je vais m'éclairer un minimum quand même. Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc, une vie des lives. De toute façon, je fais en sorte que mes lives soient toujours regardables en rediffusion, un minimum. Que ce soit compatible avec le format rediffusion. Puisque de toute façon, c'est une modif. Enfin, c'est une modif. J'ai passé un long week-end. il aurait pu être plus long si j'avais été parmi mes camarades pour les tournois CTR qu'il y a eu. Et heureusement, non. C'était déjà assez chargé comme ça. Donc, bonsoir Decade ou Decade. Salut BLD. Bonsoir. Donc, je veux vous les dire, c'est une découverte pour vous surtout, car moi j'ai déjà pu avancer dans Banner of the Maid, qui signifie littéralement la bannière de la pucelle. Alors, je vois tout de suite certains qui vont s'exclamer au mot pucelle. Sachez qu'à cette époque-là, le mot pucelle n'avait pas réellement de connotation péjorative. Hein, c'était juste pour dire une jeune fille, globalement. Hein. Donc, je le préfère le dire maintenant, car le mot maid, vous allez le voir à de nombreuses reprises dans le jeu. Car oui, le jeu est en anglais. Mais à la base, c'est un jeu chinois. Donc, l'anglais, c'est déjà nettement plus compréhensible que le chinois. Donc, on va commencer tout doucement. Voilà. Donc, dans les options, volume. Ah, il me semblait bien que le volume dans les oreilles m'était un petit peu fort. Juste le laisser là pour l'instant. Hey, salut Dolgar. J'arrive et ça parle déjà de pucelle. Il y en a plein dans le jeu, Dolgar. Il y en a plein. D'ailleurs, pour vous, est-ce que le son est bon? Le son du jeu? Parce que sinon, c'est à moi de baisser le son dans mes oreilles. Bon appétit, Milo! Un jeu chinois traduit en anglais parlant de l'histoire de la Révolution française. Oui, bah, justement! C'est cool qu'il y ait eu ce parti pris là, quoi. Enfin, ce contexte là. Je vais le réduire bien fort de mes oreilles parce que sinon je m'entends pas parler. Ou je vais devoir parler plus fort que je ne le devrais et je vais faire aussi ce live pour tout mon immeuble. Donc, dans un souci de pas vous bombarder d'informations et parce que je suis pas forcément dans l'optique de absolument tout traduire, je préfère vous faire découvrir le gameplay. L'histoire, je vais vous en parler en gros. Donc, je ne vais pas faire une nouvelle partie. D'ailleurs, il y a plusieurs niveaux de difficulté et le jeu a eu une mise à jour très récemment. Il y a le mode histoire, qui n'est ni plus ni moins qu'un mode ultra facile. Un mode ultra facile pour les joueurs qui ne sont intéressés que par l'histoire. C'est très bien de leur part. Enfin, moi je trouve ça très bien. Ensuite, il y a le mode officier. Vous pouvez sauvegarder à n'importe quel moment pendant les batailles. La retraite ne cause pas de pénalité. Commencez le jeu avec un peu de ressources et de réputation. Ce mode est adapté aux joueurs qui jouent à ce jeu pour la première fois. Et le mode général, qui n'est ni plus ni moins qu'un mode difficile, vous ne pouvez sauvegarder qu'une seule fois par bataille. La retraite cause des pénalités à vos récompenses et vous commencez le jeu avec aucun revenu de base, aucun fonds de base et aucune réputation. Et là, c'est le niveau costaud. Donc voilà, on a un mode facile, un mode normal et un mode difficile. Je fais le jeu en normal. Quand j'ai commencé le jeu, il n'existait pas encore le mode story mode. Et j'en parle maintenant vu que là on est sur l'écran titre.
l'OST du jeu fait... Je trouve qu'elle colle bien justement à l'époque de la Révolution française. Enfin, moi, je m'y croyais sur le coup. Enfin, bien sûr. Je le dis maintenant. Toute ressemblance... Enfin, tout est romancé. Hein. C'est peut-être sur un fond historique qui a existé. Hein, la Révolution française, Napoléon et compagnie. Mais s'il y a des anachronismes ou des choses qui n'étaient pas véridiques à l'histoire, c'est normal. Ça reste un jeu vidéo. Ça reste de la fantasy. Je préfère le dire maintenant. Et salut Hadès, bienvenue. Bienvenue. Donc, je vais. New game. New game. Il n'y a plus mes sauvegardes. Non. Merde, les crédits. Merde. La mise à jour a déglingué mes sauvegardes. Bon, c'est pas grave, on va faire quand même comme ce qui était prévu, c'est-à-dire... C'est-à-dire de recommencer depuis tout le début. Je vais le faire en mode normal. Je suis un peu tristesse. Parce que du coup, je vais vous bombarder d'histoires. Ah oui, ce qui est bien pendant le temps de chargement, on vous explique des petits tips. Alors... Donc c'est un jeu en 2D, 3D isométrique. On peut pas tourner la map en 3 dimensions, mais visuellement, c'est un aspect 2D, 3D isométrique. Ça fait aspect 3D, mais ça reste en 2 dimensions. Je sais pas si je m'exprime bien, mais vous allez comprendre. Donc nous voyons un escadron, enfin je sais pas comment on parle ça, une escouade de cavaliers. Charge, là quelques fantassins. Oh mon dieu! Ils arrivent! Waouh, quelle violence! La nuit à Varennes. Été 1791, Varennes, France. Oula, ça défile trop lentement, ça m'énerve. Varennes n'est pas loin, est-ce que vous êtes sûr que le roi est là-bas? Je peux seulement espérer que c'est vrai, cependant, le roi de France... est peut-être déjà dans le territoire d'un autre pays. Soyez vigilant, marquis de Lafayette. Ok. Si nous ne récupérons pas le roi, le pays entier sera secoué demain. La France ne peut se permettre ce genre de coup dur, surtout à un moment crucial. Qu'est-ce que le roi peut bien penser? Ne peut-il pas juste rester dans son château, dans son palace? Bonsoir, Hardy. Comte de Mirabeau. Vous vous remettez seulement à l'instant d'une maladie terrible. Vous devriez vous reposer à Paris. Ah, mais c'est moi qui apporte les moyens, bien sûr. J'ai la responsabilité de vous accompagner et les troupes là. Je ne pense pas que c'est la garde royale. I don't think... Ouais, ok, c'est ça. Bon, alors vous étonnez pas si, vocalement, pour le peu que vous entendez des voix, c'est du chinois. Logique. Alors, ce que j'aime bien, parce que du coup, là, je refais depuis le début pour vous, et ben, il se trouve que ces voix, il n'y avait pas de voix du tout. C'est-à-dire que ben, j'imaginais les voix qu'il pouvait bien avoir. Et bonsoir aux derniers arrivants, salut Ruby. C'est l'armée des royalistes. Ils sont sûrement là pour récupérer le roi. Je tousse. Bien, je compte sur vous. Je suis pas expérimenté dans le fait de commander sur un champ de bataille
ou de diriger. Nos actions ce soir vont changer le destin de la France. Marquis de Lafayette, s'il vous plaît, trouvez le roi et son entourage, et tout son entourage. Vous inquiétez pas, vous ferez... You would better take the time. Vous devriez prendre le temps et penser à comment persuader le roi. Ouh. C'est quoi ce bruit? L'ennemi a été alerté et garde le pont. Bon. Moment de baston. Petit moment de baston, mais moment de baston quand même. Je préfère en parler maintenant. Ah, c'était sous-titré. C'était sous-titré. J'ai pas fait gaffe du coup à ce qu'il a dit. Ça justement, c'est une amélioration par rapport à ce que j'avais découvert. Putain, c'est bien tous les petits trucs qu'ils ont fait. Vraiment. Parce que oui, j'entendais les gens parler chinois, mais... C'était littéralement du chinois pour moi. Mais si même le peu qu'il y a de... Parce qu'en fait, quand on sélectionne une unité, elle se met à parler. Un peu comme dans Fire Emblem. Et du coup, voir le texte en bas, j'y avais pas pensé sur le coup. Vous pouvez voir sur le côté... C'est pas un triangle, pas un triangle des armes comme dans Fire Emblem, mais c'est un carré d'unités. On peut voir du coup, ça c'est la cavalerie lourde qui est efficace sur la cavalerie légère efficace sur l'infanterie légère, et l'infanterie légère efficace sur l'infanterie lourde. Et l'infanterie lourde efficace sur la cavalerie lourde. C'est comme ça que c'est conçu, hein. Ne me demandez pas si c'est logique et tout, mais c'est comme ça que c'est conçu. Bon, bah naturellement... On voit effectivement que je suis en cavalerie lourde contre quelqu'un qui est de l'infanterie lourde. Il me dit que je suis en désavantage, mais je lui douille. Enfin, je lui refais le derrière comme il faut. Allons-y, chargez! Ok. Il reste une troupe. Allez, pas de temps à perdre, on va lui péter la gueule. Bon, on va quand même vous montrer l'écran de l'unité. On voit qu'il y a toutes sortes de stats. Je pense pas vous le détailler maintenant. Les PV, ça tombe sous le sens. Parce que, comme là, je vais découvrir au fur et à mesure, enfin, redécouvrir au fur et à mesure, j'aurai tout le loisir de vous expliquer à quoi, enfin, quel stade sert à quoi. Ah, il disait, qu'est-ce que vous attendez? Donnez-moi un ordre. Oui, oui, pas de problème, grand. Allez, normalement, l'autre, il va attaquer. Da. On y va! Chargez! Bon, on va le laisser attaquer. De toute façon, normalement, vous ne pouvez pas perdre le tuto. Lafayette est cheaté par rapport aux soldats qui sont là. C'est vraiment pour faire découvrir la base, qu'on peut déplacer les unités, qu'on peut attaquer. D'ailleurs... Là vous voyez, il y a charge. Oups, il y a charge qui s'est activée. C'est une compétence de ce type d'unité. Quand elle fait quand elle se déplace de 3 cases, ça lui donne plus 1 d'attaque. Donc comme il peut se déplacer de 6 cases, le maximum qu'on peut rajouter en plus de points d'attaque, bah, c'est 2. Voilà, je peux pas faire plus, mais. Pour vous expliquer qu'il y a des compétences sympathiques. Allez. Chargez ! Pardon. Je m'emporte, je suis un peu à fond dedans. Nani, les royalistes, gardez ce carrosse. On va regarder de plus près.
Voilà, les zones jaunes, ce sont les zones sur lesquelles on a besoin de marcher. Pas d'ennemis. Mais il n'y a personne. Allez. Comme le messager a dit... Merde. Comme le messager a dit... C'est le carrosse du roi, on dirait. Je vais chercher... Je laisse les recherches dans la ville. Ah, je vous laisse. Oui, je vous laisse la recherche en ville. Comme je reste ici pour garder le carrosse. Et ne causez pas plus de désordre que ça. D'accord. Je m'en occupe. Soyez bien. Pas de problème, m'en occupe. Bien, madame, s'il vous plaît, sortez. Je vous laisse vous concentrer sur ce magnifique artwork. Hein? Comme je m'attendais. C'est elle qui était restée dans le chariot, dans le carrosse. Je suppose que vous savez ce qui va se passer ensuite, hein. Sa Majesté est en ville et Marquis de Lafayette est parti le chercher. S'il vous plaît, revenez à Paris avec nous. Qu'est-ce qui va arriver à notre famille quand nous retournerons à Paris ? Les documents laissés par Sa Majesté confirment qu'il a trahi le pays et les gens, et son peuple. Vous serez détenu dès... Vous serez mis en détention dès qu'on arrivera à Paris. En France, pour le moment... Enfin, pour la France, à ce moment, la trahison... C'est de coutume, grossièrement, hein, si je traduis à la volée... Sans vouloir être mot à mot, trahison, c'est quelque chose qui est courant. Car chacun veut sa part du gâteau, grosso merdo. Alors, que deviendront nos enfants, le futur de la famille royale? Enfin, mes enfants, elle dit. Nous allons prendre vos enfants. On va s'en occuper. Après tout, ils sont de sang royal. Dans la situation actuelle, leur vie ne peut être seulement être entre les mains d'autres personnes que la famille royale. En gros, on va vous les piquer. Bien. Ne commettez aucune résistance stupide. C'est pas le moment. C'est la conséquence du comportement de la famille royale et vous devez en prendre la responsabilité. J'en étais sûr. Comme l'avait prédit la peinture, le diamant bleu a répondu. On dirait que vous êtes la personne que je recherche. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne suis pas ici pour le roi. Ce que je cherche, c'est la capacité cachée qui est en vous. De toute façon, ce que je vais dire va peut-être vous rendre confuse. Vous laissez perplexe. Mais écoutez attentivement. Puis considérez... puis réfléchissez bien avant de répondre à ma question. Ce n'est pas seulement à propos de vous, mais aussi au sujet du futur de notre pays. On peut entendre du coup du brouhaha dans le lointain. On dirait que le roi a été trouvé. Il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, écoutez-moi, s'il vous plaît.
Tant de mystères. C'était le moment le plus éprouvant de ma vie. J'ai échappé des portes de la mort. Et mes mains tenaient la clé pour changer le futur de notre pays. C'était l'héritage qui a été passé pendant des centaines d'années et qui apparaît dans beaucoup de légendes et histoires quelconques. Des femmes qui ont été affectées, qui ont été affectées par ceci, ont eu inévitablement un destin tortueux. Si j'essaie de traduire grosso merdo, hein. Je transmets l'idée si jamais il y en a qui ont du mal avec l'anglais. Bien sûr, c'est pas une traduction tout à fait parfaite, mais bon, je suis pas là pour faire du parfait. J'espère que cette action ne fera pas partie des nombreux remords que j'ai ressentis dans ma vie. J'espère qu'elles pourront devenir les pucelles de France qui ramèneront le pays à un état stable et en paix. Alors, si ça vous gêne que je dise pucelle, je peux dire maid ou maiden. Parce que, pour vous donner une petite idée, hein, pucelle, l'ordi, hein, c'est juste pour dire jeune fille. Aujourd'hui ça peut avoir une connotation péjorative mais parce que ben, souvenez-vous de Jeanne d'Arc qui était appelée la pucelle d'Orléans juste que ben, parce qu'elle était elle était très jeune quand elle a pris les armes, donc voilà. Et vous qui voyez Iron Maiden, la Vierge de Fer, c'est un autre truc poteau, hein. C'est une armoire métallique où il faisait pas bon de se mettre dedans. Alors, 5 ans plus tard, aux alentours de Toulon en France, donc tout dans le sud. Donc, on dit que les dire que le roi a été kidnappé, c'était faux. Si le public savait la vérité, la famille royale aurait été emprisonné, voire même pire. Oh, c'est juste une histoire que j'ai entendue pendant que je buvais. Je vous raconte cette histoire parce que vous, chère jeune demoiselle, avez l'air de vous ennuyer sur la route. Oh, c'était qu'une histoire. En parlant de ça, j'ai entendu des versions similaires de cette histoire, de ces histoires. Mais la femme qui a changé la famille royale a vraisemblablement existé. Après son intervention, il y a eu plusieurs changements dans la famille royale. Jeune fille. Est-ce que vous croyez vraiment à toutes ces choses qu'on parle autour des pucelles? Douées d'incroyables talents, les pucelles étaient nées pour sauver le pays en danger. Je ne suis pas sûr. Cette jeune femme en uniforme militaire a eu son diplôme de l'école militaire. Depuis qu'il a été autorisé aux femmes de rejoindre l'armée, l'école militaire reçoit tout un paquet de demoiselles étudiantes pour passer un test spécial. Jeune fille, quel est votre nom déjà? Pauline Bonaparte.
un nom de famille assez rare. Vous n'êtes pas parisienne, n'est-ce pas? Je suis de Corsica. Corsica, c'est de Corse, hein, c'est ça? Corsica en anglais. Attendez, je vous relis dans le chat, là. Pucelle, ça veut juste dire jeune fille vierge. Je vois pas pourquoi on remplacerait un mot français qui a du sens. Ouais, c'est bien la Corse. C'est ce qui me semblait. Il me semblait que les Bonaparte, ils venaient de Corse. Quelle coïncidence! Quand j'étais jeune, j'avais rejoint l'armée et je suis allé en Corse. En parlant de ça, qu'importe. Quel sujet voulez-vous bien qu'on discute? La situation en France, tout ça. Bon. En toute honnêteté, bon. Ça peut être intéressant, mais il n'y a pas plus de détails croustillants à savoir pour le moment, pour l'avoir déjà fait. Allez hop. La gloire sur le champ de bataille, défendre son pays. Nous avons rejoint l'armée pour ce but. Dans ce but. Mais quand on met le pied sur le champ de bataille, en fait, c'est totalement différent. Des centaines de gens vont soit survivre ou mourir sur le champ de bataille à cause de nos décisions. Comment pouvoir prendre de telles responsabilités? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas très familier avec les affaires militaires. Cependant, tu vois, que tu sois de la famille royale ou parmi le bas peuple, qui peut réellement dire s'ils peuvent dominer leur propre destin? Et par rapport à mes nombreuses années d'expérience, le destin, ben, le destin ne te donne souvent pas le choix. Qu'est-ce que tu en penses, jeune fille? Jeune femme? Jeune fille? Jeune fille, plutôt. Dans l'idéal de ne faire aucune faute, aucune erreur, est-ce que tu laisserais passer l'opportunité de changer ton destin? Certainement pas. Désolé pour la traduction hasardeuse. Pas trop envie de... Faut comprendre l'idée après, derrière. Bah, c'est parlé, nous nous rapprochons de Toulon. Bien, on dirait que le voyage se termine pour moi. La personne que mon frère m'a envoyé me récupérer devrait être proche. Eh bien, je te dis au revoir. Enfin, je vous dis au revoir. Si jamais tu venais me rendre visite à Paris, je te préparerais des histoires tout aussi intéressantes et quelques rafraîchissements pour toi. Merci. Et j'ai quelques mots à vous dire avant de partir. Oui. Votre manière de raconter des histoires pourrait être travaillée, hein. Donc entraînez-vous jusqu'à la prochaine fois qu'on se rencontre. Ah, c'est la première fois que j'ai une telle audience. C'était la première fois que je rencontrais Pauline Bonaparte. Après ça, elle a posé le pied sur le champ de bataille. Encore. Et quand nous nous rencontrons de nouveau à Paris, dans plusieurs mois, ben voilà. Enfin, ou c'est la prochaine fois qu'on se reverra, ce sera dans plusieurs mois. Les canons de Toulon.
Donc, il y a beaucoup d'histoires, mais je vais essayer de faire en sorte d'aller assez vite quand même. Bon, il est pas encore là, le mec, il est censé me récupérer? Je n'ai pas vu mon frère depuis plus d'un an. Les nouvelles au sujet de ses mérites militaires sur le champ de bataille, en première ligne, peuvent être entendues de temps en temps. Cette zone, c'était autrefois des quartiers. Mais la guerre a tout pété. Les civils ont été évacués, ne laissant que ce bordel, que ce désordre. Les gens veulent juste une vie stable et paisible. Mais ils peuvent pas l'avoir à cause de la guerre. Ceci étant dit, comme personne ne vient, est-ce que je suis au mauvais endroit? Oh mon Dieu! Le bruit d'un bombardement se fit entendre. Oh là 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 là! De l'artillerie? Et c'est pas très loin. Les bruits de marche. Oh purée. Les forces ennemies. Ils sont déjà arrivés si loin? Je dois trouver un endroit où me cacher, tout de suite. Hey, est-ce que cette jeune demoiselle là-bas, ce serait pas la sœur de Bonaparte? Est-ce que vous pouvez m'entendre, mademoiselle Bonaparte? Pff, pas de réponse. Bon ben, je vais devoir chercher. Qui c'est qui gueule dans les rues là comme ça? Il dirige peut-être les troupes ennemies sur nous en ce moment. Je suppose que c'est celui qui... Enfin, que c'est le mec que m'a envoyé mon frère. Je vais essayer de le rejoindre et de m'échapper d'ici. En attendant, je vais fouiller les alentours en attendant de pouvoir le rejoindre. Voilà les troupes ennemies. Leurs éclaireurs. J'ai besoin de les vaincre pour atteindre l'intersection sur le front. Dans tous les cas, la sûreté, la sécurité de Mademoiselle Bonaparte doit être garantie. Il y a une chaîne d'avantages et de désavantages sur les classes, ça je vous l'ai expliqué. Quand on a l'avantage, on a une meilleure précision. Quand on a un désavantage, on a l'inverse, une perte de précision. La classe de Leclerc, c'est chasseur à cheval, de type cavalerie légère, qui est efficace sur l'infanterie légère, mais faible contre la cavalerie lourde. Et heureusement, ce n'est que de l'infanterie légère. Donc lui, il va être super efficace dessus. Alors, le fait qu'il soit en sous-titré ally, donc allié, hein, tout simplement, ça veut dire que je vais pouvoir l'utiliser, mais il ne gagnera pas d'expérience. Ah, est-ce que tu es prêt? Un chapeau militaire qui a été touché par plusieurs balles. Le port a été occupé par les Anglais, par les navires anglais. Je ne sais pas comment de soldats ont pu être sacrifiés sur le champ de bataille. Je vais le prendre avec moi si jamais je croise quelqu'un d'amical. Ça sera plus facile pour eux de me reconnaître. Bon. Alors, il faut que je sois au corps à corps avec ça. D'ailleurs, quand on est dans le menu pause, on voit un rappel des objectifs. Victoire, défaite et éventuellement un challenge. C'est en gros une victoire, mais avec un petit truc en plus. Ça arrive beaucoup plus tard, les challenges.
Bah, comme dans tout jeu tactique, bah, on va les laisser venir. Hein. Ça sera mieux. Le champ de bataille contient différents types de terrains. Il y a des terrains qui affectent la performance des unités, comme parfois obstruer leur capacité de mouvement. On peut le voir ici. Moins 15 d'esquive et moins 3 de mouvement. Mais bon. On va péter la figure de ce cancrelin là-bas. Allez. Dans ce panier, il y a des fleurs de lys. Les pétales ont déjà withered, je ne sais pas. Je supposerai que soit ça veut dire éclos, soit c'est parti en lambeaux, au choix, l'un ou l'autre. Pané, je sais pas. L'un ou l'autre. Des persos français beuglant en chinois, ça fait bizarre. Oh mon dieu, et là-dessous, un corps, un cadavre. Oh. Même des civils, même certains civils n'ont pas eu le temps d'évacuer. Tristitude. C'est pas le temps pour faire du sentimentalisme. Il faut continuer d'avancer. Alors, toucher et vaincre des ennemis augmente le moral. Quand votre morale, votre jauge de morale est à fond, vous pouvez exécuter une attaque héroïque. Les attaques héroïques augmentent les dommages que vous faites ainsi que la précision, et en plus de vous donner davantage d'expérience. Donc voilà, c'est ce que vous voyez, le moral. Vous ferez gaffe, là je suis bientôt à fond. Normalement lui va m'attaquer, ma jauge de morale devrait être à fond. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Ça doit être ça, Matt. Withered, fané. Juste que j'ai pas envie de jongler avec World Reference. C'est le dico anglais en ligne que j'utilise. Très complet, très bien. Un morceau de bannière brûlée. Il y a pas très longtemps, je combattais avec mes camarades sous cette bannière. Les soldats qui combattaient sous mon commandement. Et bien qu'ils ont réussi à se charger de l'ennemi, beaucoup d'entre eux ont été tués. Est-ce que mon commandement a été bon ? Allez, bring it on. Voilà, le moral a été à fond. Les PV représentent l'organisation des troupes. Quand ça arrive à zéro, vous êtes obligé de vous replier. Quand vos troupes perdent trop de PV, vous pouvez utiliser un objet qui permet de récupérer des PV. Contrairement aux armes, les items sont disparaissent de manière permanente quand c'est utilisé. Car oui, vous pouvez voir que là, avec mon arme ici présente, le fusil, j'ai 14 d'utilisation. Vous pouvez penser que c'est peu par rapport à des jeux comme Fire Emblem où les armes de base sont plus dans les 40-50 d'utilisation. Mais à chaque début de bataille, vos armes sont remises à neuf. Tandis que les objets qui permettent de se soigner ne sont pas régénérés. C'est utilisé, c'est perdu. Enfin, perdu. C'est perdu dans le sens où c'est pas régénéré. Ah, je peux pas le tuer direct. Bah ok, on va utiliser l'attaque héroïque. Bah tiens, c'est l'occasion de comparer. Si je fais une attaque normale, je fais 8 de dégâts et j'ai 84 de précision. Si je fais une attaque héroïque, j'ai 100% de précision et j'ai 50% de dégâts en plus. Et là, je suis sûr de le mettre KO.
Bon. Ouais, c'est ça, comme la magie dans FE3H, tout à fait. Allez, amène-toi, toi, là-bas. Bon. Faut pas tenter le diable. Se soigner allègrement. Allez. Là, on reste encore sur du tutoriel. Donc forcément, vous pouvez vous dire, oh là là, c'est pas très palpitant. C'est aussi pour ça que je comptais sur une de mes sauvegardes. Mais bon, tout a été pété. Tristitude. Mais bon, je vais essayer d'avancer un minimum loin pour vous montrer plusieurs sortes d'unités et vous montrer un peu plus ses côtés tactiques. Parce que là, ben, je suis ce que le jeu attend de moi. On peut pas rater le début. Enfin, jusque là... pas possible de rater. Êtes-vous Mademoiselle Bonaparte? Ce doit être le gars qui criait tout à l'heure. Sa voix est tellement forte. Excusez-moi, est-ce que vous êtes avec mon frère Napoléon? Je suis son subordonné. Je suis un de ses subordonnés. Charles Leclerc. Bien. Comme il vous a décrit. Comme il m'a décrit, Mademoiselle Pauline, vous avez un tempérament qui sied à l'uniforme et militaire parfaitement. Il sied très bien à l'uniforme. Est-ce que c'est ce que mon frère a dit? Excepté Mademoiselle Joséphine, vous êtes celle dont il parle le plus. Cependant... le petit côté qui colle à l'uniforme, ça c'est mon opinion personnelle. Merci. Il y a peu de gens dans l'armée qui parlent comme vous, monsieur Leclerc. Homme ou femme, certaines personnes sont nées pour être des soldats. Arrêtons de parler et de rester ici et retournons au camp d'abord. Il y a une ligne ennemie pas loin. Ce serait dangereux de rester ici trop longtemps. Bombardement. Attention, Pauline! C'est l'artillerie ennemie. Retraite. Maintenant. Leclerc! Leclerc. Pardon. Camp français, Toulon. Paulina. La bataille commence dans 4 heures. Est-ce que tu es toujours le soldat déterminé que j'ai connu? C'est toi, mon frère Napoléon? Leclerc m'a demandé de t'apporter un message. Que tu lui dois une faveur. Donc n'oublie pas de la lui retourner. Monsieur Leclerc, il va bien maintenant? Ses jambes sont cassées pour avoir plongé dans le but de te sauver. Il retourne à Paris pour se reposer, demain. Si j'avais fait un peu plus attention à ce qu'il y avait aux alentours, j'aurais pu voir que la zone avait déjà été bombardée une fois par l'ennemi. C'est le fait que j'ai pas eu de jugeote sur le moment qui a conduit Monsieur Leclerc à une telle blessure. La malchance arrive de temps en temps sur le champ de bataille. Ne te blâme pas.
J'ai entendu ta victoire sur la ligne de front. Tu as gagné une bataille, mais avec de lourdes pertes. Quoi ? Tu t'attendais à un quelques compliments de ma part ? Bien que l'ennemi a été vaincu et que j'ai commandé exceptionnellement, je peux pas oublier les soldats qui sont morts sur cette bataille. Et je peux pas fêter la victoire. Est-ce que je suis vraiment un leader qualifié ? Est-ce que je peux être considéré en tant que tel ? C'est moi qui t'ai amené à Paris. Et c'était moi qui t'ai suggéré d'entrer à l'école militaire. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Non, c'était ma décision de devenir un soldat. Rappelle-toi de tes intentions d'origine pour rejoindre l'armée, Pauline. À cet instant précis, la guerre continue et toujours en cours. Le commandant a accepté mon plan il n'y a pas très longtemps. Ce soir, nous lancerons une attaque générale sur la position ennemie. Une fois la forteresse occupée, nous pourrons utiliser les canons pour bombarder les navires de guerre anglais et les expulser de Toulon. C'est le moment de mettre un terme à cette bataille. Comme Leclerc est blessé, j'ai besoin d'un autre sous-fifre. D'un autre lieutenant. Qu'est-ce que t'en dis ? Tu veux venir avec moi ? Prends ta décision. Les gens indécis ne sont pas... n'ont qu'une valeur sur le champ de bataille. Si tu n'as plus envie d'être un soldat, je m'arrangerai pour te renvoyer en Corse. Je vais rester, mon frère. Parle-moi de ton plan. Bien. Mais d'abord, va te trouver quelque chose à manger. On peut pas aller sur le champ de bataille le ventre vide. Viens me voir quand t'es prête. La blessure de Claire, j'en suis responsable. Mais je ne peux pas quitter le champ de bataille. Protéger les gens comme nous. C'est pour cette raison que j'ai décidé de rejoindre l'armée. Soutenez le feu! La résistance de l'ennemi est encore forte! La bataille contre les positions ennemies a commencé dans l'après-midi et continue jusqu'au soir. La cible de l'attaque, c'est le fort Mulgrave. La position la plus lourdement fortifiée des défenses de l'ennemi autour de Toulon. Et aussi le point clé du plan de mon frère. Une fois que nous l'aurons occupé, notre artillerie pourra bombarder les navires anglais et les expulser du port depuis la terre ferme. Et bloquer les ravitaillements. Et les forcer à faire une retraite, à se barrer. Bon, c'est du détail. Et bonjour Rose. Bonaparte, ça se transforme en bataille prolongée. Le pouvoir de l'artillerie sera limité si nous continuons jusque dans la nuit. Voilà Rose de Beaumont, la commandante de l'artillerie qui supporte l'offensive de mon frère. Son nom seul indique qu'elle est noble, ce qui est rare dans une armée dominée par les révolutionnaires.
Beaucoup d'officiers aristocrates ont été remplacés par des révolutionnaires. Seulement quelques-uns... only a few ah oui, seulement quelques-uns continuent de servir dans l'armée grâce à l'influence de la reine. Rose de Beaumont est la plus distinguée parmi ces gens-là. En parlant de la légende des pucelles, c'est tabou depuis plusieurs centaines d'années. Comme ça fait référence à des sorcières ou à de l'hérésie. Récemment, il y a eu des rumeurs positives qui se sont répandues dans le pays, précisément grâce à cause des performances du général Rose de Beaumont sur le champ de bataille et la publicité de la famille royale. Donc il y a une publicité positive qui s'est faite autour des pucelles. Faut comprendre les pucelles comme des petites filles avec des super pouvoirs. C'est comme ça que je le comprends. N'empêche, si c'est la commandante de l'artillerie, elle est bien équipée avec les obus qu'elle a. Hein. Bon allez, là je l'approuve et c'est bon, voilà. C'est bon, voilà, j'ai fait ma blague un peu potache, maintenant c'est bon. On redevient sérieux. Les munitions restantes sont les munitions restantes pourront faire l'affaire pour 3 ou 4 rounds, enfin 3 ou 4 tirs d'artillerie. Il est temps de prendre une décision. Hubert. Rose de Bondon, faites attention avec le ton avec lequel vous parlez. This is not the era when... Ce n'est pas l'ère, le moment où les nobles peuvent critiquer et diriger les gens dans l'armée. Ok, donc lui, ça doit être un péteux de révolutionnaire. Hein. Il fait genre, mais ta gueule, t'es noble, qu'est-ce que tu vas foutre? Ta responsabilité, c'est de coordonner l'artillerie. Pas de discuter les ordres de combat. Ce mec, c'est Uber Mondego. L'ego, il a l'air d'en avoir, lui. Hein. L'adjudant superviseur envoyé par le général. Il y a de nombreuses rumeurs à propos de lui dans l'armée. Ses anciens supérieurs sont tous devenus des gros bonnets. Comme ça qu'on peut le traduire, je pense. Donc il a été rapidement promu dans l'armée. Je suis d'entraînement comme lui. Ah, c'est peu commun de nos jours. D'accord, c'est un branleur. Commandant Bonaparte a certainement son plan. Ton rappel n'est pas nécessaire. Or, ou alors, tu es en train d'essayer de prendre crédit de son travail, de te l'approprier avec ton instinct de pucelle. J'essaie juste de parler comme un simple soldat. En effet, il nous reste plus beaucoup de munitions et encore moins de temps. C'est maintenant ou jamais. On concentre toutes les munitions et on lance le bombardement final sur les positions ennemies. Je dirigerai la charge de l'infanterie. Nous devons saisir l'opportunité d'occuper la base, quoi. Pauline, t'es avec moi.
Monsieur Mondego, est-ce que vous voulez participer à la charge avec nous? En parlant de ça, j'ai chopé un rhume sur la route et je suis pas dans les conditions pour charger. Donc tu commanderas l'artillerie. J'ai déjà eu à faire ce genre de choses avec Monsieur Bordonné. Tout ce que t'as à faire, c'est tirer comme prévu. A déjà délégué, je suppose, que ça voulait dire aussi. Bien, le bombardement est crucial pour l'offensive. J'y conviendrai personnellement. Les troupes sont prêtes et attendent vos ordres, monsieur. Bon, c'est un jour de pluie et les combats de pluie sont extrêmement durs. Et la chose la plus importante, c'est d'inspirer le courage sur les soldats. Utilise ton habilité à bon escient, Pauline. Laisse-moi savoir si t'as besoin de support à tout moment, Pauline. Bien compris. Allez, c'est parti pour le premier tour. Feu ! Préparez-vous ! Nous sommes sous un bombardement de l'ennemi ! Tenez la ligne ! Aussi longtemps qu'on tient le formule grave, notre victoire est notre ! Bon, bref. Maintenant, on va faire Mumuse. J'espère vraiment que j'ai pas un anglais trop pourri. Mais j'essaye d'être bien, honnêtement. Alors, les chances d'esquive, aussi bien pour les ennemis que pour les alliés, descendent avec la pluie. C'est ce que je disais tout à l'heure, là. Les unités marquées comme Ally sont des unités temporaires. C'est-à-dire que on peut les contrôler, mais elles ne peuvent pas gagner d'expérience. Et les unités marquées comme Com sont des unités alliées qui agissent d'elles-mêmes. Faites de votre mieux pour vaincre les ennemis avec Pauline, afin qu'elle gagne de l'expérience. Bon. Ok, lui, est-ce qu'on peut voir ses statistiques? Mais on s'en fout parce que lui, il bougera pas. Ce qui compte, c'est qu'on pète la gueule de tout le monde. Bon, no spoiler, vous avez pu le voir, il y avait beaucoup de monde là, mais l'artillerie en a dégagé quelques-uns. Ça sera le cas au fur et à mesure, mais on a besoin d'aller relativement vite. Donc, plusieurs choses. Plusieurs choses. Alors, la madame ici présente. Merde. Voyons voir ses statistiques. Je me suis gouré de bouton, pas l'habitude. Attaque plus 2 et chance de toucher plus 10 quand vous initiez le combat sans avoir fait de mouvement. D'accord, pourquoi pas. Ça c'est maîtrise du terrain. Les unités alliées reçoivent vitesse plus 2 sur les plaines. Défense et armure plus 2 sur les terrains non plaines. Alors, c'est le moment de vous parler des statistiques, quand même, pour vous l'expliquer, parce que là, j'aimerais attirer votre attention sur les armes de type fusil. Elles ont un fond bleu. Les canons ont un fond rouge. Vous pouvez voir sur le côté, il y a deux statistiques sur la défense. Il y a la défense et l'armure. Ce qui est appelé défense, c'est pour diminuer les attaques venant de mousquets ou de fusils. Tandis que l'armure, ça réduit les dommages des épées et des canons. Et d'ailleurs, ils ont changé la traduction. Enfin, ils ont amélioré la traduction. La première traduction, ils disaient arme blanche. Mais ouais, c'est bien comment. Ils ont amélioré. C'est chouette. Il y a vraiment un suivi. Ouais, bon, j'en parle comme si c'était une OPSP, mais pas du tout. J'ai que dalle. J'ai une clé, c'est tout, c'est bien. Hein, je vais peut-être essayer de demander une clé supplémentaire si ça peut intéresser des gens. Mais vraiment, je constate des améliorations par rapport au moment où je l'avais essayé dans mon coin pour savoir si ça valait le coup de vous en parler. Et du coup, c'est pour ça que je fais aussi ce live. Donc voilà, il faut prendre en compte ces deux statistiques
car ça agit pas sur la même... Selon l'arme... Bon, là, ils ont tous des mousquets. Hein. Donc, ce sont des trucs bleus. Donc, ça va se baser sur le blé. Donc, ouais, Pauline... Pauline devrait bien s'en sortir. Alors, lui, il a un mousquet. Elle, elle a un mousquet expérimental. Le mousquet expérimental peut attaquer à une case de distance supplémentaire. Enfin, au lieu que ce soit rangé 1, enfin portée 1, ça sera portée 1-2. Par contre, le speed check, du coup la vérification de la vitesse, c'est moins 2. Oui, bah oui, j'en ai pas parlé. La vitesse permet d'augmenter les chances d'esquive et si la stat de vitesse est assez haute, ça vous permet de doubler. Il faut que ce soit au moins un écart de 3 points. Pour pouvoir faire une double attaque. Donc là, si on prend l'exemple, est-ce que je peux double attaquer ce cancrelin? Et... Alors, ce que personnellement je vais faire... Parce que lui, là, lui, il me semble qu'il donne des statistiques supplémentaires. Ah, lui, non. Lui, il regagne 20 PV... 20% de ses PV max quand il élimine une unité. Ça, c'est quoi? Conquérant. En début de tour. Ah, je crois savoir ce que je vais faire. En début de chaque tour, il donne à lui et à ses unités alliées dans un rayon de 2. Attaque plus 2, défense plus 2, mouvement plus 1 pendant un tour. Le mouvement dans tous les jeux de tactical, c'est clairement pas une stat à sous-estimer. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que lui, je le bourriner. Parce qu'en fait, merde, je compte mettre Bonaparte ici, enfin Napoléon, et je compte attaquer avec Pauline ici. Donc c'est pour ça que je vais attaquer avec, avec Rose là. Allez, c'est le moment de montrer l'artillerie. Salut Soupfo, bienvenue sur le live. Bienvenue pour la découverte de ce tactical. RPG. Allez. Allez. On va attaquer au mousquet. Voilà. Donc il faut s'arranger pour... sur ce chapitre-là, il faut vraiment s'arranger de taper avec... de taper avec Pauline pour qu'elle ait l'expérience. Donc là, nouvelle save d'artillerie, la numéro 2. Bien sûr, c'est scénarisé. Hein. Soupfo, découverte en anglais, pour moi, je l'ai fait avant qu'il soit traduit. Ah, donc tu l'as fait quand il n'y avait que le chinois. Ah, oui, du coup. Ah, bah. Du coup, si tu ne lisais pas le chinois, enfin que tu ne le comprenais pas, alors, voyons voir. Est-ce que je peux... Ouais, je peux directement le bourriner. Du coup, Soupe, tu l'as fini entièrement le jeu ? Tu l'as déjà fini une fois? Personnellement, moi non. Le plus loin où je suis allé, c'était le chapitre 10 ou 11. Puis la dernière mise à jour a effacé toutes les sauvegardes. Du coup, un peu tristesse parce que j'avais... À la base, j'avais préparé une sauvegarde justement pour mettre un peu plus dans le feu de l'action et éviter la partie un peu didacticielle. Mais au moins, c'est l'occasion de montrer que je trouve le didacticiel vachement bien fait. C'est que le jeu apporte chaque notion, tout doucement, et aussi le contexte, l'histoire, quoi. D'accord. Allez, donc là, allez, on bourrine. Feu, et vite. Allez, boum. Diantre!
L'ennemi est en train de rusher sur notre position. Mais quel est cet homme avec les cheveux en bordel? Et cette jeune fille? Est-ce que ça pourrait être Lady Wellesley? Wellesley, pardon. Ah oui, j'ai commencé le jeu quand l'anglais était en bêta, oui. J'ai eu une clé, je sais plus à quel moment. Je pouvais pas montrer le jeu tout de suite, mais je pouvais déjà commencer à y jouer un petit peu. Et ouais. Et d'ailleurs, je constate qu'il y a eu des améliorations de la traduction anglaise. Il y a des petits trucs en plus. Heureusement que c'est un peu scripté, je vois pas comment ce serait possible de tuer autant d'ennemis sans perdre. Ah, ça reste encore le début du jeu. Ça reste encore le début du jeu, Matt. Ouais, je pense que c'est pour ça que j'ai perdu ma safe soup. Pas mal, le bombardement se passe bien. Et on peut faire confiance aux arrangements de Rose. Cependant, l'ennemi est tenace. Pauline, tu tiens le coup? On commence à plus avoir le temps. Donc il faut y aller, il faut qu'on bourrine et qu'on casse les défenses de l'ennemi. Il faut qu'on fasse une percée. Avec ma capacité, je peux maximiser le courage de mes soldats et leur force, les galvaniser et augmenter leur efficacité au combat. Cependant, c'est... ça dure qu'un temps. Compris. Voilà, donc c'est le moment de montrer le skill de commandement de Pauline. Inspiration. Ça fonctionne pendant une période donnée. Donc je vais vous montrer ça. Ici. Inspiration. Quand vous activez la commande inspiration, cela vous procure attaque plus 2 pendant 3 tours. Ça peut être activé une seule fois par mission. Donc c'est à faire au meilleur moment. Alors lui là-bas. Ok, lui là-bas, je vais quand même pouvoir le pourrir grâce à ça. Alors attends. Normalement, je peux quand même... Pas besoin d'utiliser l'inspiration pour le moment. Je le ferai au dernier moment. Et le moral qui est à fond. Superbe. Ça vraiment qu'il y ait les traductions, même des phrases vocales. C'est chouette. C'est le dernier obus. Feu. La position est presque perdu. C'est exactement comme Lady Wellesley avait dit. Les Français vont devenir une grande menace. L'aigle venant de Corse allumera le feu de la guerre qui ravagera tout le continent. Alors, comme ça, lui. Alors on va faire inspiration. Inspiration. Ah. Des vrais dégâts. Et là, normalement, Pauline, level up. PV attaque. Défense. C'est bien, c'est bien. J'aurais bien aimé aussi armure et vitesse. Mais bon. Ça va encore. Bon, du coup, il y a l'autre qui va m'attaquer. Bien. Bien, par curiosité, ils avaient combien de vitesse ces gens-là?
2 de vitesse. Ah ouais, comme ça c'est sûr qu'il double pas. Du coup, héroïque, car rappelons-le, héroïque permet d'avoir un gain d'expérience. Donc je vais gagner plus d'expérience. Ouais, il me semble que les level up sont aléatoires, Matt. J'ai pas mémorisé chaque level up, mais pour moi, ils le sont. Ouais, du coup, il faut aller choper la position. Et salut, Rock, bienvenue. Et allez, go. Vas-y, poulette. On l'a fait! Incroyable. Bien que tu aies pris temporairement le commandement, tu as combattu avec une telle bravoure. C'est aussi impressionnant que ton frère l'a dit. Oh, voyons, t'en fais trop. On dirait que ma capacité ou quelque chose du style à rendre les soldats plus forts. Encore en comparaison, le ciblage et le timing des canons sous ton commandement étaient vraiment impeccables. On dit que tu connais chaque détail du terrain, qu'importe l'endroit où tu te bats. On dirait vraiment que c'est dit sans exagération. Ne dis pas ça. Tout ça, c'est grâce au commandement stratégique de Monsieur Hubert, n'est-ce pas? Tu n'es totalement pas la même de ce qu'on raconte. Tout le monde pense que tu es la pucelle de la famille royale. Qui est une personne froide. Grim, c'est quoi? Malaisante. Enfin, du coup, pas une personne agréable, mais au fond, si. Elle est agréable. Doublement agréable. Rose, la situation sur les autres fonds est encore floue. Dis à l'artillerie de rapidement se mettre en position pour attaquer les navires anglais. Compris, soldats, préparez les canons! Feu! Grim veut dire sinistre. Très bien, merci Dolgar. Votre Excellence! Ce bombardement, c'est les Français! On dirait que formule grave est tombée. Nous devrions nous replier aussitôt que possible avant qu'il bloque le port. Aïe, 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 oui, madame. Ça devrait être suffisant pour forcer ces vieux hommes bornés, butés. Ça devrait les forcer à réfléchir un peu plus avant d'engager la guerre contre la France. Le statu quo de ce pays est un groupe de bêtes qui se battent les uns entre les autres. Et celui qui survivra sera le plus féroce. Certainement le plus féroce. Plus féroce encore. On devrait prendre cette opportunité et les battre maintenant. Cependant, c'est pas quelque chose que je peux décider. De toute façon, je devrais retourner à la maison pour quelques discussions de long terme. Ouais, bah j'étais pas loin en disant malaisante ou pas sympa, hein, Dolgar. Quoi de mieux pour fêter une victoire que les premières notes de la Marseillaise et ce plan? Si on regarde bien le milieu de l'écran, même si ça peut être flou, voilà, mais bon, quand même, poste de Pauline qui dégage une certaine prestance, en mode, je vais tous vous déglinguer le derrière, promptement.
Bien. Je vois que tu es là, Pauline. On peut voir tout au long d'ici. Ah, voilà. Regarde cette vue. Regarde cette ville que nous avons libérée. Mon frère, comment tu peux être si déterminé à implémenter un tel champ de un tel plan de bataille comme celui-là? Dans le but de contenir l'ennemi en dehors de la ville, nos forces alliées, elles ont dû combattre très dur, elles ont morflé. Et même, we might have not had enough time to occupy. Et même si on a. Si on n'a pas mis trop de temps, on n'a pas mis assez de temps à occuper le Formule Grave. Je vois pas comment traduire là vite fait à la volée, mais là elle doit regretter que ouais il y a plein de gens qui sont morts. Et est-ce qu'on a fait les bons choix ou Napoléon, comment ça se fait que t'as une telle assurance sur le champ de bataille en disant on va faire ce plan là, ça va marcher, no problemo. Tu as raison. Nous avons été chanceux d'avoir réussi à la fin. Peut-être que nous devrions remercier Dieu de nous avoir aidés. Je peux pas prendre de telles décisions. Penser de ne pas être capable de gagner une bataille pendant que les soldats combattent pour leur vie. Peut-être bien que je suis pas un commandant qualifié après tout. Pauline, est-ce que tu sais ce qui est le plus douloureux que la mort d'un soldat? Plus douloureux? De les laisser mourir en vain sous le commandement d'incompétents. Et c'est ce qui arrive chaque jour pendant une guerre. Je crois donc... Je crois que je peux faire le meilleur choix pour les soldats. Non, il est le meilleur choix pour les soldats. Enfin, le meilleur commandant que les soldats peuvent espérer. Donc, il n'hésite pas à prendre des décisions. Je n'hésite pas à prendre des décisions. Mais, et s'il y avait des meilleurs plans? Pauline, est-ce que les instructeurs de l'école militaire ne t'ont pas dit? Le talent des soldats... doit être propulsé sur le champ de bataille dans le but qu'ils s'épanouissent. Avant ce jour, les soldats qui meurent sous ton commandement sont la responsabilité que tu dois porter. Ah, avant ce jour, j'essaie de bien traduire, hein. Au pire, on pourra toujours proposer une traduction française sur un jeu qui se passe sur la Révolution française. Est-ce que tu te souviens de nos batailles de boules de neige en Corse? T'as gagné 35 fois et moi 20. On change radicalement de sujet. Tu as gagné 20 victoires sur le meilleur soldat de France. Hé hey. Tu vois, hein, t'es loin d'être nul, mon frère. Bon, assez pour la papote, pour la parlotte. Je dois préparer le rapport pour Paris. Sinon, Dieu sait ce qu'Hubert va dire. Avec cette victoire, les dirigeants à Paris... vont finalement réfléchir et me laisser une chance pour faire la différence. Souviens-toi de venir et de m'aider à ce moment-là, Pauline. D'accord. Après la retraite des navires anglais, les forces ennemies restantes
sur la terre ferme ont été rapidement annihilés. Et les flammes de la victoire ont brûlé sur Toulon. Comprendre par là, un gigantesque barbecue. Gigantesque barbecue. C'est bien ça, un barbecue. Cependant, la guerre n'est pas terminée. En commençant à Toulon, le conflit entre la France et le reste de l'Europe est devenu plus intense. Tout ça a commencé avec la révolution qui a pris place à Paris il y a quelques années. De nos jours, la famille royale française survit sous l'influence d'une femme qui fait que Paris est le théâtre de chaos et de désordre. Ou un mélange d'ordre et de chaos. Donc, prologue terminé. Mais bon, j'aimerais vous en montrer encore un peu plus. J'ai le temps encore. Donc, 2 mois plus tard, à Paris, en France. On entend le bruit dans les rues. Ah là là. Paris est la même ville. Même ville vivante, même à 7h. Mal maison café. Si je me fie à cette carte, je me trouve au bon endroit, mais je ne vois pas de panneau avec ce nom. Après le siège de Toulon, mon frère a eu une incroyable promotion grâce à ses mérites militaires et grâce à une recommandation des révolutionnaires. J'ai aussi eu une invitation de la famille royale pour me rendre à Paris pour recevoir... Merde ! Je voulais faire log. J'ai passé un gros morceau. Est-ce qu'on a fait la rencontre de Joséphine de Beauharnais ? Ah, zut. Ah ouais, ma récompense quoi. Bon, bref. Donc, on est hébergé chez Joséphine de Beauharnais et on va pouvoir gérer. Ouais, dans le jeu là, on est en 1796, je crois. On est avant 1800. Dans le contexte du jeu, hein, bien sûr, je fais pas référence aux vrais événements. Qui s'est passé quoique je sais plus si on a l'année quelque part, mais bon, on est un peu avant 1800, donc voilà. Donc là on est au Malmaison Café, c'est en quelque sorte le QG de Pauline qui est tenu par Joséphine de Beauharnais. D'ailleurs je vais vous la montrer dès que possible. Paris a beaucoup changé ces dernières années. Et oui, il y a des factions, des différentes factions. Bon, c'est pas vraiment... oui, tu verras, Robespierre Chama. Il y a plusieurs factions à Paris et on va devoir entretenir des bonnes relations avec elles de sorte à augmenter notre réputation auprès d'eux. Dans le contexte du jeu, en termes de gameplay pur, c'est pour débloquer soit des avantages ou plus de choses à acheter dans les magasins. Mais voilà, ça se fera via certaines quêtes. Ou via certains choix qu'on nous prouve. Genre, il y a des moments dans l'histoire, on va nous demander de répondre, de choisir une réponse. Et en fonction de la réponse, ça peut influer la réputation qui en découlera. Donc les feuillants, dirigés par le commandant en chef des armées, Gilbert Dumotier de Lafayette, qui est reconnu comme marquis de Lafayette, et c'est lui qui maîtrise le bordel. Et la déclaration and the king's declaration of supporting et la déclaration du roi de supporter la révolution a gagné beaucoup de soutien pour la famille royale, parmi le peuple commun et les nobles en dehors de Paris.
parce que sa vue politique, enfin, ses vues politiques correspond aux voix du peuple. Le prestige des Jacobins est en continu de grimper. Mon frère fait partie d'eux. La situation continue de changer et toutes les factions sont en train d'essayer de gagner le support des citoyens de Paris. Je peux rien y faire, mais je repense à mes camarades de classe de l'école militaire. Eugénie, Cosette, Charlotte. Des noms bien français. Je me demande comment elles vont maintenant. Je les avais rencontrées. Je leur ai dit au revoir et on est allé sur le champ de bataille. J'étais témoin des soldats qui sont morts sous notre bannière. J'ai goûté à la victoire et à la douleur. J'ai pensé abandonner mon identité pour devenir un soldat. Mais je suis resté. Pas seulement à cause de la persuasion de mon frère et des autres, mais aussi parce que je voulais poursuivre mon propre but. Quand je suis sur le champ de bataille, j'ai cette capacité spéciale d'aspirer du courage et de la motivation aux soldats, d'aller de l'avant, de se motiver. Ah mais non, mais là je vous lis là dans le chat. On va voir des gens historiques. Je veux dire, là, tous les gens-là ont réellement existé, mais n'oubliez pas que c'est avec quand même un fond de fantaisie. Basé sur des faits réels, mais ça n'en reste pas moins fantaisiste. Pauline Bonaparte a vraiment existé aussi. Mais elle n'a pas fait l'armée. De toute façon, c'était pas autorisé à cette époque-là. Déjà, rien que ça, rien que le fait d'avoir des femmes soldats à cette époque-là, on peut dire que c'est une hérésie. Comme si, pour continuer sur ce qu'elle disait, comme si je pouvais gagner naturellement leur confiance, bien que je ne sais pas d'où cette habileté peut bien venir. Et à cause de ça, je ne peux pas prendre la responsabilité de commander aussi franchement que mon frère. Il reste encore quelques jours avant le banquet de la famille royale. Jusque-là, qu'est-ce que je devrais faire de mon temps libre à Paris? Alors. On a plusieurs choix. On a plusieurs choix, là, notamment, hein, pour ce qu'on peut faire. S'entraîner à l'épée. Observer les gens dans les rues. Ou jouer avec des chats et se reposer. De souvenirs, ça augmente l'attaque, ça doit augmenter la défense ou l'armure, et ça doit augmenter la vitesse. Je trouve que la stat de vitesse, elle est hyper importante. Faire mal une fois, je trouve que c'est pas suffisant. Je pense que doubler, c'est plus intéressant, donc je vais faire ça. En vous entraînant avec la petite chat noire près du salon, ça vous êtes devenu plus agile. Pauline a obtenu une nouvelle capacité. Attaque plus 1. Voilà. Tout simplement. Quelques jours plus tard, dans le salon Malmaison, vous pouvez prendre des quêtes annexes et voir différentes informations dans la galerie. Donc voici Joséphine de Beauharnais, hein. Et aussi voir les succès. L'influence actuelle des Malmaisons n'est pas assez haute pour vous prodiguer des quêtes secondaires. Essayez de gagner l'attention des autres factions d'abord. Parlez à Joséphine pour savoir quoi faire maintenant. Bonjour Joséphine. Bon, alors de ce que je me souviens, parce que Madame Liandre, elle est très férue d'histoire. Donc quand je lui ai parlé du jeu, elle m'a parlé de ce qu'elle avait vu dans Secret d'Histoire. Il y a quelques éléments qui sont un peu historiques, genre... ça pourrait, le haut de la robe, mais par contre là, comment c'est échancré, non, ça c'est pas historique du tout. Hein. Ça c'est le kiff qu'ils se sont fait les artistes pour cette robe.
D'ailleurs, dans la galerie, allons tout de suite dans la galerie. On voit Leclerc, Joséphine. Et c'est tout pour le moment. Bon, et voilà. Pauline, pourquoi est-ce que tu portes toujours l'uniforme militaire? Le banquet est sur le point de commencer? Bah, en tant que soldat, je me suis dit que c'était le plus approprié, hein. Mais non, bordel de zut. Il y a certaines occasions qui requièrent une certaine tenue. C'est la base de l'étiquette sociale. Maintenant, file dans ta chambre et va mettre la robe que je t'ai préparée. Bon, mais j'insiste. Non ! J'ai dit maintenant. Ou alors tu dors dans les rues ce soir. Ok. Quelques moments plus tard. Merde. Quand on fait espace, ça passe tout. Zut ! Donc voilà, Pauline, elle a mis cette robe. Voilà, je suis passé giga vite encore. Bon. Donc ouais, si je vais sur quête secondaire. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu dois partir maintenant! Je sais, je sais. Je dois porter cette robe. Oh là là. Donc là, c'est pour dire, faut sélectionner la map. Et aller au palais des Tuileries. Ah oui. Pour montrer aussi. Save game. Effectivement, j'avais plus de sauvegarde. Restitude. Dolgar, bordel de zut, je doute que les nobles disent ça. Non mais, hey, c'est traduction française par Yves-less, hein. Qu'est-ce que vous vous attendez? Puis je fais ça à la volée, hein. Et oui, Dolgar, Malmaison, c'était le château qu'elle occupait. Non, il y a des noms qui sont... Il y a beaucoup de noms repris historiquement. C'est ça qui est chouette. C'est que... Bon, c'est peut-être pas fidèle à 2000%, mais c'est appréciable. Soupfo. Oui, les vêtements des femmes sont très stylisés, on va dire. Les vêtements des hommes semblent plus fidèles à la réalité. Oui, comme c'est fantaisiste, on peut imaginer qu'il se soit fait plaisir sur... sur ce qu'on voit, quoi. Donc ça va être l'occasion de rencontrer plus de monde ici. Le palais des Tuileries. Louis XVI. Bien, permettez-moi de dire quelques mots. La famille royale est très... très contente de pouvoir aider... de pouvoir aider ses généraux et donner une chance. Une chance d'aider notre pays. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, levons nos verres et célébrons les héros de France. Yay! Allez, je lève mon verre aussi. Yay! Louis Croivet Bâton. Au moins, le vin de la famille royale, il pète le feu. Ah, ne buvez pas comme si vous n'aviez pas de lendemain. Comme s'il n'y avait pas de lendemain. Est-ce que c'est Monsieur Robespierre là-bas? Peut-être que je devrais aller le voir et lui dire bonjour. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est révolutionnaire paranoïque. Merde, j'ai un trou de mémoire. Ils sont sujets à la paranoïa quand tu retrouves plus l'adjectif qui va bien. Ce sont eux qui n'ont pas de futur. Je préfère prendre l'opportunité. To fun over. Alors là, j'en ai aucune idée. Je préfère me rapprocher de la famille royale. J'ai entendu que la reine sera là. Pardon. Voilà, Milo, merci. Heureusement que t'es là. Hein.
messieurs, soyez soigneux, soyez impeccables, veuillez rester courtois et respecter l'étiquette et n'offenser aucunement les autres invités. Oh, bien sûr. Très bien, alors. Je vous souhaite une agréable soirée. Phone over, lécher les bottes. Ouais, donc, ouais. Moi, j'ai dit ça de manière un peu plus courante, sans rapprocher de la famille royale. Ouais, donc lécher les bottes. Voilà. Merci, Milo. C'est bien, vous faites mon anglais comme ça. C'est bien. The brown nother of the nobles. Ça doit être une expression, ça, the brown nother. Quand je serai au pouvoir un de ces jours, il devait parler du domestique peut-être. Les nobles et les riches sont tous attendus au banquet de la famille royale. Cependant, l'atmosphère à Paris n'est pas très harmonieuse. Je préférais vêtir mon uniforme, mais Joséphine a dit... Le banquet, c'est le champ de bataille sociale. La robe qu'elle a préparée me voit parfaitement bien. Comment qu'elle a fait? Est-ce que c'est la pucelle de Toulon? On dirait une jeune fille ordinaire. Et vous êtes? Ah, vous avez déjà entendu parler de moi. Robespierre. Je suis actuellement... membre du club des Jacobins, comme votre frère. Brother Leschku. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Putain, je devrais en faire plus souvent. Mais travaillons l'anglais tous ensemble. Robespierre, d'après les dires de Joséphine, est le membre central des Jacobins. Qui a vu sa popularité grimper en flèche. Récemment, l'Assemblée a nommé Napoléon comme commandant en chef de l'armée d'Italie. Et notre faction a beaucoup aidé pour cette nomination. Mais je ne m'attendais pas à ce que la famille royale envoie des jeunes filles de ton âge sur le champ de bataille. Oh. Pauline, pourquoi le protagoniste de cette soirée se cache, la protagoniste de cette soirée se cache dans un coin? Marie-Antoinette, votre majesté. Bah dis donc, c'est qu'elle a tout un buste. Monsieur Robespierre est là aussi. De quoi est-ce que vous pouviez discuter? Bon, c'est fidèle! Il y a les fleurs de lys, il y a la couleur bleue! C'est fidèle! Ceci dit, historiquement, paraîtrait-il que Marie-Antoinette était très bien fournie de ce côté-là. Paraît-il. Ah bah à propos de ça, nous discutions si c'était approprié d'envoyer une jeune fille sur le champ de bataille. De nos jours, le pays est en détresse. Même une jeune femme a le droit de se lever et de se battre. Vraiment? Ça dépend si elle défend réellement son pays. Ou si elle est juste forcée d'aider la famille royale à gagner sur le peuple. Après tout, les bien nommées pucelles sont assez suspectes. Les gens les appellent plus communément des sorcières, n'est-ce pas? N'ai-je pas raison? Monsieur Robespierre, aussi incisif comme toujours, mais ça...
Sa performance sur le champ de bataille est un fait indiscutable. Comme si elle était forcée par la famille royale. Ah oui, et comme c'est la famille royale qui lui la force à faire ça, est-ce qu'on pourrait bien demander l'opinion de Pauline? Alors, selon la réponse qu'on peut apporter là, si on dit qu'on n'en a rien, qu'on n'a rien à voir avec la famille royale, on gagne en réputation avec les Jacobins. Si on dit que oui, c'est grâce à la famille royale que je suis là aujourd'hui, on gagne plus de réputation auprès de la famille royale. Ceci dit, Joséphine a parlé de... Dès que possible, il faut parler des Malmaisons, hein. Dès que possible. Alors, je ne sais plus s'il y a un choix idéal, mais je crois que je vais prendre ce choix-là. Il me semble que les choix, il y a que quelques choix qui sont qui demandent vraiment, qui sont importants en quelque sorte. Et globalement, la plupart des choix vont pas casser le jeu. Hein. Il n'y a pas vraiment de mauvais choix. C'est juste que pour certaines petites choses, il y a quand même des meilleurs choix. Mais je ne connais pas assez bien le jeu pour m'exprimer, vu que j'ai pas encore fait le jeu une fois entièrement. Alors, en parlant de ça, Joséphine m'a demandé de promouvoir notre faction dès que l'opportunité se présentait. Est-ce que c'est maintenant? Allez, de toute façon, c'est maintenant ou jamais! Je me souviens du slogan de Joséphine. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, écoutez-moi! Quoi? Hein? Est-ce que vous vous souciez... De la bouffe et de l'habillage? Est-ce que vous vous souciez du futur de votre famille? Est-ce que vous vous souciez de la plus haute classe sociale que votre famille peut... Enfin, que votre vie peut atteindre? Enfin, vous élevez socialement parlant? Eh ben, ne vous inquiétez plus, rejoignez le nouveau salon, le Malmaison Café, pour un futur... Nouveau! Une place, enfin un endroit plaisant et confortable. Et qui est tenu par la merveilleuse Madame de Beauharnais. Les Malmaisons vous accueillent sincèrement. Venez pour les futures stars de Paris. Oh bah! Madame de Beauharnais, j'ai déjà entendu te parler d'elle, c'est une femme énergique. Ça semble être un endroit plaisant pour se relaxer, je suis intéressé aussi. Un discours impressionnant. La réputation des Malmaisons augmente de 50. Cependant, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Bon, allez... J'ai envie de dire que comment elle s'appelle? Que Marie-Antoinette a deux arguments de plus que Robespierre. J'ai pu rentrer à l'école militaire grâce à la politique de la reine. Si je n'avais pas eu cette aide de la famille royale, je n'aurais pas pu avoir la chance... d'aller sur le champ de bataille. Bien. J'espère que Mademoiselle Bonaparte pourra garder ça à l'esprit, que les gens de France, que le peuple de France sera attentif à chacun de ses gestes. Ok, soupe, merci. Et merci d'être passé et merci d'avoir follow. Et du coup, ben super de t'avoir rencontré et certainement à une prochaine fois. Encore merci et bonne soirée à toi. Matt, théoriquement, ils ont le même nombre d'arguments, mais pas au même endroit.
Bien, si ça vous dérange pas, j'aimerais discuter en privé avec Mademoiselle Bonaparte. Bof, de toute façon, c'était pour moi le moment d'y aller. Bien, appréciez le banquet, Mademoiselle Bonaparte. Ça fait un moment qu'on s'est rencontrés. Enfin, ça fait un moment depuis notre dernière rencontre, Pauline. J'ai entendu que tu étais parti pour des vacances après avoir été médaillé. Et je m'inquiétais que tu ne reviendrais pas dans l'armée. Sa Majesté la Reine Marie-Antoinette vient d'Autriche. Joséphine a dit que c'était sa suggestion pour le roi et les feuillants de s'allier et de sauver la famille royale. Oui, parce que c'est vrai que quand on se souvient du prologue où on voyait que Lafayette voulait choper le roi, qu'il y avait le comte de Mirabeau qui avait chopé Marie-Antoinette. Et comme c'est Lafayette qui tient les feuillants, qu'ils sont toujours là, bah on peut supposer qu'ils ont une alliance. C'était aussi sa suggestion de sélectionner des femmes aux talents spéciaux pour rejoindre l'armée. Est-ce que c'est elle, la femme, dans l'histoire du comte du Mirabeau? Après tout, la guerre continue de faire rage. Est-ce que vous ne souhaitez pas que la guerre s'arrête pour votre mère patrie? Le roi, cependant, a déclaré qu'il supporte la guerre contre l'Autriche. Le banquet aujourd'hui est tenu en honneur aux héros du champ de bataille. Pauline, qu'est-ce que tu penses que peut faire un héros? Qu'est-ce qu'il peut faire? Attends, je la lis en anglais et j'essaie de la traduire. What do you think it is that can make a hero out of someone? Qu'est-ce qu'il peut faire de quelqu'un? Quelqu'un, un héros hors du commun par rapport à d'autres, je suppose. Je pense qu'un héros doit accomplir quelque chose que les gens ordinaires ne peuvent pas faire. Et je pense que seulement ceux qui font des choix dans des circonstances critiques sont capables de supporter les conséquences. Ouais, et je pense que ceux qui sont capables de faire des choix critiques et d'en supporter les conséquences, d'en assumer les conséquences, on peut les appeler des héros. Ouais. Hey, salut Spy! T'arrives au moment pour voir Marie-Antoinette, hein? Pauline, n'as-tu jamais hésité de faire des choix parce que c'était trop dur d'en assumer les conséquences? Comme lors de notre première rencontre à l'école militaire, la reine semble lire dans l'esprit des gens, lire dans les gens comme un livre ouvert. Votre Majesté, est-ce que vous voulez dire que je devrais mettre les intérêts du pays avant mon propre intérêt, comme vous le dites? Non, je suis juste quelqu'un qui ne peut pas être un héros. Pas tout de ce que Monsieur Mirabeau a pu te dire est vrai. Bien, le banquet est presque terminé et notre rendez-vous. Ah non, and your appointment. Et ton assignation a été annoncée. Ton assignation, ta promotion, assignation, je dirais. Tu vas travailler jusqu'en Italie. Ouh! Compris. C'est compris, je vais rejoindre l'armée d'Italie où se trouve mon frère. En parlant de l'ennemi, les Italiens sur le champ de bataille. C'est l'armée de votre mère patrie, l'armée d'Autriche. Comme j'ai dit à l'école militaire, le roi et moi espérions que vous, les jeunes filles,
deviendraient les secouristes, les sauveteurs de notre pays, les sauvetrices. Les pucelles de France échangeraient notre futur, enfin le futur de la France. D'accord, Milo. Eh bien, je fais mon anglais avec tout ça. Si tu as besoin d'aide, viens me voir. Les royalistes seront là à tout moment. C'est tard. Hein. Il est tard maintenant. Tu devrais aller te reposer. Mais non! Les boobs de Marie-Antoinette tout court, pardon. Mais je n'avais pas mentionné que je connaissais le comte de Mirabeau, si? Comment la reine a pu... Bon, oublions, il est tard maintenant. Si je reste dehors plus longtemps, Joséphine va être en colère contre moi. Alors techniquement, en Italie, c'est les Autrichiens qu'on affronte. Waouh. La situation devient de plus en plus intense à Paris. C'était Sa Majesté la Reine qui nous a envoyés à l'école militaire. Je pense que c'est aussi la famille royale qui a répandu les rumeurs sur les pucelles à Paris. Est-ce qu'ils veulent obtenir le soutien des gens à travers des officiers femmes entraînés par la famille royale? Bah. De toute façon, je devrais me préparer pour mon ordre de mission. Il y a encore beaucoup de choses à préparer avant que je parte pour l'Italie. S'il vous plaît, attendez, mademoiselle Bonaparte. Et vous êtes Louis-Charles-Antoine de Saïx. De Saïx. Comment on prononce les mecs? Louis-Charles-Antoine, oui, pas de problème, mais... De Saïx. Bon, Louis-Charles-Antoine. Je n'ai pas pu vous trouver au banquet. Et j'osais espérer vous inviter à danser lors du banquet. C'est 2C, très bien. 2C. Merci les gars. Donc c'est le général 2C. On dirait qu'il a le même âge que mon frère. On dit que c'est un noble qui a rejoint l'armée en tant que révolutionnaire. Et son prestige auprès des gens est vraiment très haut. Je ne suis pas habitué aux occasions sociales, aux interactions sociales. Tu ressembles à Napoléon. Oh ben, au fait, voici quelque chose que Sa Majesté la Reine avait oublié de te remettre quand tu es parti. Je suis donc là pour te le remettre en main propre. C'est une bannière. C'est une réplique. Une réplique de la bannière qui a été tenue par une héroïne qui a sauvé le pays plusieurs centaines d'années auparavant. La famille royale espère que ça peut inspirer les soldats au front avec ça. Cette forme... C'est la bannière de la pucelle d'Orléans, Jeanne d'Arc. Cette fille avait sauvé la France il y a plusieurs centaines d'années. On dit qu'elle pouvait même entendre la voix de Dieu. Pourquoi on me donne cette bannière? Ah, 2Z, Milo. D'accord, très bien. Putain, merci de m'apprendre à parler. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne souhaitez pas accepter ceci car ça vient de la famille royale? Non, c'est parce que j'ai encore des doutes quant au fait de savoir si je suis toujours qualifié pour commander des soldats sur le champ de bataille. Ah bon? D'aussi loin,
enfin, de ce que je sais, vous êtes un officier, un officier talentueux. Enfin, de ce que je sais, un officier aussi talentueux que vous est assez désiré dans l'armée. Et souhaité. Général de Zé. N'avez-vous aucun doute quand vous posez le pied sur le champ de bataille? J'ai entendu dire que parce que vous êtes un noble, vous étiez noble, on ne pouvait... Les gens pouvaient pas... Vous ne pouvez pas... you weren't just by... Vos supérieurs ne vous faisaient pas confiance au premier abord. Ouais, des fois j'ai des doutes. Certains des problèmes sont toujours sans réponse pour le moment, cependant. Les problèmes rencontrés sur le champ de bataille ne peuvent être réglés que sur le champ de bataille. C'est ce que je pense. Bien. Je vous ai apporté la bannière. Maintenant, passez le bonjour à Napoléon de ma part jusqu'à la prochaine fois qu'on se rencontre. Ah oui, c'est sûr, et merci pour votre réponse. Et en plus, si nous avons à nouveau l'opportunité de nous rencontrer à un nouveau banquet, j'espère que vous me donnerez l'occasion et l'honneur de danser avec vous. J'ai besoin d'y aller, je dois rentrer. Est-ce que tout ça va vraiment mener notre pays à un meilleur futur? Bon, une nouvelle quête. Et vu l'heure, alors déjà sauvegarde, save. Ah oui, on peut accéder à la caserne. Du coup, je pense conclure le live là-dessus. Vu l'heure, ça fait 2 heures de live, c'est pas mal. Bon. Eh bien, mes petits gars, mes petits gens sur le chat, est-ce que ce live vous a plu? Est-ce que ce jeu vous donne envie d'en savoir plus? Est-ce que ce jeu, vous souhaitez que je continue de faire des lives dessus? Est-ce que vous souhaitez l'acquérir pour vous-même? Dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, je sais, Spa est arrivé à la fin, mais t'en fais pas, il y a la rediff comme d'habitude. Comme d'habitude, il y a les rediffs de mes lives. Oui, c'est très boobs et le France. C'était plus court que Fire Emblem, mais j'ai pris le jeu. Ouais, non, vu l'heure, je préfère pas traîner plus que ça. C'est encore plus crevant que de faire Fire Emblem parce que je dois faire un effort de traduction et de restitution pour vous. Parce que moi, je comprenais l'idée globale et je faisais à ma sauce, mais pour ceux qui sont pas très anglophones parmi vous, j'ai essayé de faire un effort conséquent de vous restituer ce que je comprends. Mais en tout cas, dans tous les cas, je souhaite d'abord vraiment me concentrer sur Fire Emblem. Je souhaite finir Nier Automata avant éventuellement de m'attaquer à ce jeu. Et je vous avoue, je suis un peu embêté parce que je voulais continuer de le faire dans mon coin, puis ma sauvegarde a été reset. Je pense donc continuer ce jeu en live. Je sais pas encore à quelle fréquence. Tu vois, Matt, j'arrive à traduire dans ma tête, mais à traduire pour les gens, c'est beaucoup plus compliqué. Tu vois, hein? Tu vois, Matt. C'est pareil pour moi. Je comprends l'idée à l'écrit, mais après, traduire pour les gens, alors attends. Mais ça va. Ok.
Mais ouais, pour que rassurer tout le monde, enfin rassurer, pour clarifier certaines choses, oui, ce jeu, je le ferai pas tout de suite, tout de suite. Je le ferai surtout pas après avoir terminé Fire Emblem, parce que Fire Emblem va encore m'occuper pendant pas mal de temps. Et non, après Nier Automata, je pense. Je vais me reconvertir de joueur Crash à joueur Tactical RPG. Et petite note comme ça, je me suis mis récemment à Combat Tactique, qui s'appelle aussi Teamfight Tactics, qui est un jeu Riot Games, avec le lore de League of Legends. Ça va, j'ai testé le jeu, j'aime bien. Je sais pas si j'en ferai des lives, parce que le jeu est compliqué, bordel. Au bout de 3 jours, maintenant, je comprends à peu près le jeu. Donc, bon, on avisera. Au pire, on en rediscute sur mon Discord. Bien, je traîne pas plus pour ce live. C'était très bien. Moi, j'étais très content d'avoir fait cette découverte pour vous. Enfin, du coup, d'avoir redécouvert aussi pour moi. Mais du coup, voilà. Puis voilà. Bien. Eh bien, encore une fois, un gros merci. Je dois vous dire tout de suite que les prochains lives, c'est lundi, mardi, et puis c'est tout. La semaine prochaine, c'est juste ça. Comme je pars en très long week-end la semaine prochaine pour un tournoi de CTR à Paris, je choisis de concentrer 2 lives en début de semaine afin de pouvoir avoir une semaine plus cool et d'être moins crevé pour le week-end qui va arriver. Voilà, que vous soyez au courant. Et ben voilà. Eh bien, des gros merci, des gros bisous, et je vous dis donc à demain soir pour mon prochain live qui sera sur Fire Emblem Three Houses. Allez, bonne soirée, bonne nuit, bye bye! Et je vous laisse un petit peu la musique. Et je vais couper normalement. Et puis pour les prochains lives que je ferai sur le jeu, il y aura un vrai setup approprié. Là, j'irai utiliser celui de Fire Emblem. Voilà. Des bisous.